Bonjour à tous, ici le Ch'ti Player, on se retrouve pour la 8ème partie du Let's Play de Super Mario Bros 3 sur NES. Allez, c'est parti donc pour ce monde 7 qui, comme je l'ai dit, est mon monde préféré après le 4, hein, bien sûr. Alors on va juste aller vérifier ce qu'il y a dans ce tuyau là, je sens que je vais me faire niquer, mais bon, c'est pas grave, on a l'habitude, hein. Eh ouais, on est bien coincé, c'est bien ce que je pensais. Non, je pense en fait, je vais vous montrer... Je vais vous montrer avec des petites flèches, hein. Donc je pense que en fait le tuyau pour avoir la maison Toad, hein, qui est donc là tout en haut, il est accessible en fait par ce tuyau là. Enfin c'est ce que je pense, hein. De toute façon on verra ce qu'il en est plus tard. Allez, c'est parti donc pour le premier niveau. Et donc ceci c'est un niveau où j'ai l'habitude de prendre l'LP. Et c'est parti. Oui, on va encore dire que c'est de la triche, mais je m'en fous. Alors oui, c'est un niveau, regardez, cette sa particularité, c'est... Ouais. 110 mètres tuyau par Mario. Oups, j'ai un peu raté mon truc, mais c'est pas grave. Youhou. Bon allez, on va faire le niveau sérieusement. Donc comme vous l'avez compris, à ça, en fait, la gauche et la droite de l'écran communiquent. Voilà, c'est ça que je veux dire. Allez, c'est parti, donc, évidemment... Grâce à l'LP, je peux voler en permanence. Et la particularité de ce niveau, c'est qu'il y a des tuyaux de partout. En même temps, le monde 7, c'est le monde des tuyaux. Allez, allez. L'animation est sympa. Enfin, alors là, déjà ici, on a une vie cachée. Ouais, bien joué. Ouais, là, prendre le tuyau, ça sert un peu à rien, mais bon. On va dire que je m'amuse. C'est comme dans la partie précédente quand j'avais le costume de Mario Marteau, je m'amuse comme un petit fou. Ah, qu'est-ce qu'il y a dans ce bloc-là? Ici, c'est une pièce. Allez, c'est parti. Autre vie cachée, là. Alors, celle-là, je vous jure que je l'ai découverte aujourd'hui, ça. Je savais absolument pas qu'elle existait, mais c'est pas grave. On va juste aller voir. Ouais, c'est par là que je dois monter, de toute façon, pour aller ici et choper toutes ces pièces. Allez, encore une vie. Qui monte mon total à 60. Et là je ressors ici. Alors ici bien faire attention. Le truc bien vicieux c'est... Attendez, je vais mettre pause, je vais vous expliquer. D'ailleurs ça tombe bien l'écran de pause, vous l'aviez jamais vu. Mais des fois si vous voulez, quand vous rentrez par le tuyau de droite par en dessous, des fois il arrive qu'au moment où vous le prenez, il y a une coupa qui est posée juste sur le tuyau. Et en fait quand l'animation elle monte, vous voyez la coupa dessus, vous voyez, non je vais me faire toucher, je vais me faire toucher. Vous savez que vous allez vous faire toucher mais vous pouvez absolument rien faire. Enfin bref. Donc là, voilà la fin du niveau. Évidemment avec notre petite LP c'est vachement plus facile. Et encore ce niveau là est pas si compliqué. Allez, c'est parti, on va se mettre là et on va choper l'étoile au point de fin. Alors, premier niveau de fée. Et comme d'habitude, hein, une fois qu'on a complété un niveau avec l'LP, on n'a plus l'LP, mais on a toujours notre queue. Non, pas de mauvaise allusion, s'il vous plaît. Alors, où est-ce qu'il va celui-là? Ah bah voilà, je me suis complètement gouré. Ok, je me suis totalement trompé sur le tuyau qui menait ici, mais c'est pas grave. Ouais, j'écoute la musique maintenant. Ah, une feuille, peut toujours servir. Allez, on remonte. Évidemment, la remontée c'est moins drôle. Ça, c'est parce que j'ai encore tenu B comme un con. Allez, c'est parti pour le deuxième niveau. Alors, on retourne un peu dans le désert avec ces espèces de mini plantes piranha, là. Bon, d'accord. Tu veux pas que je te tue avec ma queue? Eh ben, je vais te tuer avec une brique. Tiens, prends ça. Bien visé. Ou alors, ici, dans le bloc ici, c'est juste une fleur de feu que je... Je vais juste le déclencher quand même pour vous montrer, mais je vais pas le prendre. Allez, on rentre par ici. Ce sera plus simple parce qu'en bas, certes, on doit nager, mais il y a moins d'ennemis. Et il y a un petit P par la même occasion.
Eh oui, ça, regardez. J'avais jamais remarqué ça, regardez. Ça a figé l'animation de l'eau. Ouais, je ramasse pas toutes les pièces, on s'en fout. Oh là, l'eau le rebouge. Ça, j'avais jamais remarqué. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Hein. Alors ici, je vais remonter là. Et on va poursuivre par en haut. En faisant attention au plan de piranha. Alors là, ouais, je sais, je vais mettre en pause pour éviter le problème avec la plante piranha. Là, faut éviter de descendre en bas à droite parce que sinon on va se retrouver coincé. Il y aura tous des blocs-notes à activer si on essaye de sauter. Donc en fait, je fais comme ça. Voilà, c'est plus simple. Et on gagne du temps. Oh là là, il y a du monde. Ouais, d'accord. C'était un peu couru d'avance, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc la sortie elle est là. Et derrière, il me semble qu'il y a... Je me demande s'il n'y a pas un bloc caché par ici. Ou au moins que c'est... Non, je crois que je me fais des grosses idées là. Bon, c'est pas grave, on va vers la sortie. Et c'est parti. Et 2 étoiles. Ça va. Aujourd'hui, je suis en bonne posture. Voilà, ce qui nous ramène ici. Et niveau 3, c'est parti. Alors celui-là, il est un peu compliqué. En fait, ici, je vous explique vite fait. Dans le premier bloc, il y a une étoile. Et il faut réussir à courir pour choper des étoiles à la chaîne, si vous voulez. Bon, je vais vous montrer. Voilà, là, je deviens invincible. Là, je tape ce bloc-là qui me donne une nouvelle étoile. J'espère que je vais pas me foirer. Parce qu'en fait, si on n'est plus invincible en arrivant au niveau du bloc étoile, bah à la place, il nous donne une... Tiens, un Lakitu en moins. Et j'ai buté Lakitu en tuant le... Ouais, je devrais pas faire ça. Quoi, il est déjà là? Merde. Je pensais pas qu'il reviendrait aussi vite. Bon, on va essayer de tracer, en fait. Sauf que là, j'ai... En fait, le truc, c'est que... Voilà, je suis à la fin. Je me suis fait toucher, mais je suis à la fin. C'est pas grave. Et j'ai réussi à avoir les 5 vies encore. Voilà, ce qui nous en fait 65. Donc on est... Ça va, on est bien armé pour... on est bien armé pour finir ce jeu. Hein. Allez, petit memory. D'ailleurs, à propos de finir le jeu, hein, au cas où vous n'auriez pas suivi les actualités de ce... Enfin, j'ai posté ça hier, en fait. D'accord, je suis complètement paumé. Vous aurez remarqué que c'est une nouvelle grille, au passage. Hein. En fait, le truc, c'est que j'essaie de vous parler, donc en fait, je dis n'importe quoi. Ouais, on va essayer de choper des vies. Ouais, donc je disais, j'ai posté ça hier, un petit sondage sur le let's play que je ferai à la suite de ce jeu, puisque Super Mario Bros 3 touchant presque à sa fin, évidemment, puisqu'il reste ce monde 7 et il restera plus qu'un monde derrière, donc... Ouais, d'accord, complètement paumé. Bien joué. Ah, bien joué. Bon, alors je sais pas trop si je vais aller faire le niveau 4, parce que ce petit tuyau, j'ai aucune idée d'où il va. Le truc, c'est que si je fais le niveau 5, ça me permettrait d'aller choper cette maison Toad, là. Je vais regarder si je peux pas me mettre un truc. Ouais, on va se mettre une étoile pour se faire plaisir, et on y va. D'accord, bien joué. C'est quoi ce niveau? Qu'est-ce que c'est ce niveau bizarre que je me souviens plus, là? Putain, il y a encore des tuyaux de partout, en plus. Toi, tu vois... Non, j'ai dit que t'allais crever. Il y aurait pas un champ pipi par ici? Mais il y a l'air de rien avoir du tout. Mais le problème, c'est qu'il faudrait que je fasse un peu gaffe avec la... Oh merde, quel con. Bon, d'accord, il y a rien. Ah, je crois que... Ah oui, je... En arrivant ici, je crois que je commence à me rappeler de ce niveau. Non, bon, on va se mettre là pour pas qu'elle nous explose à la gueule. Donc oui, je vais finir peut-être par dire ce que je voulais dire. C'est que j'ai mis en place un sondage sur Pixul pour le prochain let's play. Donc le choix se fera entre un nouveau jeu et un autre jeu plus ancien qu'on m'a beaucoup demandé. Donc ce sera entre Crash Bandicoot 3 et Sonic 4 épisode 2. Ouais, je sais, épisode 2, j'avais jamais cru qu'il sortirait au bout d'un moment.
Faut dire qu'il y a eu tellement de temps de battement, voilà, je vais y arriver. Je crois que la vie elle va disparaître, non? Je pense que pour aller la choper c'est par là. Ah non, elle est encore là. Ok, j'ai rien dit. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de battements, puisqu'il y a eu 2 ans, je crois, si je dis pas de bêtises, pratiquement 2 ans entre les 2 épisodes. Oui, là, je ne rentre pas par la fente par laquelle la vie était descendue, puisque je sais que c'est un bloc, il y a un bloc pièce qui va me bloquer, donc voilà. Il y a eu, je veux dire, il y a eu ça, il y a eu le fait que Sonic 4 épisode 1, c'est quand même mal vendu, enfin, je pense. Et il y a quand même eu Sonic Generations entre temps. Donc j'ai jamais pensé qu'il y aurait vraiment un Sonic 4 épisode 2. Donc je suis bien fait avoir là-dessus. Bon bref, donc là on va essayer quand même de prendre la suite du niveau, parce que il faut quand même que je fasse un peu gaffe au timer. Donc voilà, et sinon Crash Bandicoot 3, donc on m'a beaucoup demandé s'il y avait moyen que je le fasse. On va aller par là. Donc bah du coup j'ai décidé de vous laisser choisir entre ces deux jeux. Donc le lien vers le sondage est bien évidemment disponible sur ma chaîne YouTube ainsi que sur ma page Facebook. Mais de toute façon je vais... Attendez, je vais être à moitié malade. Voilà. Je crois que c'est la fin, non? Ah non, pas encore. Ok, c'est pas encore la fin. Toi tu vas mourir. Putain, j'ai eu de la chance. Oups. Ça, c'est moins bien. Oh. Ok, je peux sortir ici. Ça mène où, ça? Ouais, bon. Je vais aller voir ce qu'il y a en haut à droite. Ah, mais tu permets? Je sais même plus ce que j'allais dire. Mais c'est pas grave. Bah, je cours plus vite que mes boules de feu. Oh, mes oreilles. Oh putain, j'ai fait bugger. Je l'ai fait bugger. Ah, j'ai fait... Oh putain, comment j'ai fait bugger le son du jeu. Excusez-moi, d'accord. Ça, par contre, c'est très vicieux. Ah ouais, génial. Bon, en tout cas, le tuyau qui avait tout à droite, c'est sûrement la fin. Laissez-moi passer! Donc oui, ça y est, je crois que je me rappelle de ce que je voulais dire. J'allais donc dire que le lien vers le sondage, hein, je le mettrai dans la description de la vidéo. De toute façon, vous avez un petit peu de temps, hein, puisque... Oh merde, raté! Puisque à la suite de cette vidéo, il y aura le 6ème épisode de Jack 2. Et ce sera seulement après ça que je terminerai ce jeu là, donc vous avez je dirais que vous avez une bonne semaine, quoi, pour voter pour le jeu qui suivra un Tanuki. Le jeu qui suivra celui-ci. Donc qui sera en parallèle de Jack 2, hein, et si jamais je finissais Jack 2 entre temps, ce sera Jack 3 qui démarrera, enfin. Vous connaissez la suite. Hein. On va aller voir ce qu'il y a par là. Allez, go. Ok, je suis à un endroit de merde. J'ai jamais compris à quoi il servait ce tuyau. Mais tiens, tant qu'on y est. Enfin, je vais quand même faire un truc. Au cas où ça servirait à rien. C'est qu'elle touche déjà. Voilà. J'ai fait un safe state et je vais juste voir si avec le marteau ça me permettrait de. Ah, d'accord. Si ça marche pas, vous avez carrément un bip pour vous le dire. Bon, bah, du coup, le safe state que je viens de faire servira à rien. Bon bah du coup je comprends absolument pas à quoi ça sert ce tuyau. Jamais compris. Bon enfin bref, du coup bah, vu qu'on a plus que ça à faire, on va retourner d'où on vient. Et bah en fait du coup je me rends compte que le niveau 4 je vais quand même devoir le faire. Allez c'est parti. Un niveau sous-marin apparemment. Ok. Ah avec un scrolling en plus. Oh je sens la merde venir. Alors est-ce qu'on peut tuer ces trucs? Oui. Par contre ces plantes là on peut pas les tuer. Ah. Oh je sens que ça va être la merde.
Non, toi, je t'ai dit que t'allais crever. Enfin, j'ai rien dit, en fait, mais... Bon, vous me voyez tirer des boules de feu sur un poisson, donc vous vous doutez de ce que je veux faire. Là, faut vraiment savoir viser, quand même. Alors là, c'est bien, le scrolling, il n'y a rien du tout à l'écran, donc c'est pratique. C'est pratique pour se repérer. Alors là, attention aux méduses électriques. Rappelez-vous, il ne faut surtout pas les toucher. Oh, merde. Évidemment, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Hein. Là, maintenant, ça va être la merde, vous voyez. Surtout qu'il y a deux bloops, là. Deux bloops qui font... Mais pour ta... Non, mais c'est quoi ce délire? J'appuie sur ma flèche droite, il va pas à droite. Enfin, je veux dire, il fait du surplace, quoi. Alors, attention, ici. Là, faut juste passer en vitesse. Et tout ira pour le mieux. Oh, putain. Je l'ai vu passer de près, lui. Wow. Je me fais peur tout seul. Ouais, mais j'ai peut-être raison de me faire peur tout seul, vous voyez. Bon, allez, c'est la fin. Allez, donc nous prenons le tuyau qui va nous amener à la suite de ce monde 7. Ah bah parfait. Alors voici ma forteresse. Là, c'est ma forteresse préférée du jeu. Vous allez comprendre, je vais y aller tout de suite en étant Mario Petit. Hein. Pas de problème, pas besoin d'items. Alors là, vous voyez, il y a des briques de partout. Y'a que ça. Alors ici, c'est... À droite que je dois aller si j'ai pas... Voilà, vous voyez, là, il y a des espèces de barres, mais il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de flammes sur les bougies, c'est peinard ici. Là. Non, c'était pas là du tout. Bah si, en fait, c'était là. J'ai rien dit. J'ai l'air de savoir où je veux aller. Voilà, donc en fait, ici, vous voyez, il faut atteindre la plateforme qui est à droite. Je saute là et hop, ce qui nous donne le champignon. Voilà, ensuite je fais ça, je reviens en arrière. Je reviens dans notre salle pleine de briques. Enfin, en même temps, vu toutes les briques, vous vous doutez peut-être déjà de ce qui va se passer. Hein. Alors je me place ici. Ah, c'était pas là, raté. Mais merde, c'était lequel? Ah d'accord. Ok, ma mémoire m'a juste fait un petit peu défaut, mais c'est pas grave, donc je... Non! Oh, je vous jure. J'ai raté mon coup. Oups. Faut attendre, en fait. Voilà. Le problème, c'est comme je suis à moitié paumé, mais j'ai bouffé le timer à mort. C'est pas très malin. En fait, il faut que je retombe... Voilà, exactement dessus. Là, vous voyez qu'il y a cette porte qui est apparue. Je rentre dedans. Je rentre dans le tuyau. Là, j'attends. Parce que j'ai pas le choix. Et un gros bloc qui va nous donner un costume de Tanuki. Voilà, maintenant je m'en vais. Alors là, je vous explique que je m'inquiète pas beaucoup du timer, vous allez comprendre. Ah là, je me mets là. Et là, bon, on va faire pareil, on va redéclencher le P-Switch. Sauf que là, cette fois-ci, je tombe. Oui! Oups. Là, on se remet à la porte. Et ça réinitialise la salle et on n'a plus qu'à recommencer. Oups. Et là, vous voyez, merde. Oh. Ok, je pouvais pas descendre. Bon, là, bah, avec le timer, je vais mourir au time-up, hein, vu qu'il reste plus que 34 unités de temps. Mais c'est tellement plus fun de faire ça. Voilà, vous voyez que je chope plusieurs vies, hein. Allez, normalement, je pense que j'ai le temps de refaire un passage. Thank you.
Et encore une vie. Youhou. Voilà, c'est tout, c'est mort. Ouais, ça m'amuse tellement que je sens que je vais le faire une deuxième fois. Allez, on se refait une petite session pour le fun. Sauf que là, comme je vais trouver mon chemin plus vite, je vais pouvoir gagner encore plus de vie. Et on peut facile en gagner genre 4 ou 5 vies par passage. Et puis bah après, quand je remourrai à cause du time-up, eh ben on retournera dans le niveau, mais on le fera sérieusement, hein, parce que j'ai quand même assez de vie. Hein. Hop, donc c'est là. J'en ai encore chopé une. Non, reviens. Allez, c'est parti mon kiki, on va s'éclater. Alors ici, attention de pas retomber dans la lave quand même, ça serait pas mal ça. Allez, c'est parti, on s'amuse. Regardez, en tout cas, mon compteur, il était à 72 en commençant le niveau, au passage. Donc j'ai déjà gagné 2 vies, là. Bon, évidemment, comme je vais en perdre une à cause du time-up, ça veut dire qu'pour l'instant, en fait, j'ai gagné qu'une seule vie, globalement. Bon, allez, là le timer va biper. Allez. Bon, évidemment, forcément, j'ai pas grand chose à raconter. Hein. Vous m'excuserez. Oups. Et je me souviens. Merde, qu'est-ce que je fais? Mais je fais n'importe quoi. Voilà, je viens de faire une connerie, mais bon, c'est pas grave. Ça me fait juste perdre du temps, mais bon. Mais là, j'ai quand même 4 vies en plus au compteur. Hein. Bon, on va essayer de plus faire de conneries. Donc, je disais, quand j'étais gamin, je me souviens que je faisais exprès le jeu pour faire ce niveau. On faisait le... Au monde 1, on chopait les... Mais où est-ce que je vais? Au monde 1, on chopait les... Je chopais les deux flûtes qui sont au monde 1. Et attendez, non, j'en chopais qu'une, puisque... À l'époque, quand j'étais tout gosse, je savais pas qu'il y avait celle du... à la fin du niveau 3. Donc, on chopait la flûte qui était à la forteresse du monde 1. On allait jusqu'à la forteresse volante, on se la faisait. Et une fois qu'on avait accédé au monde 2, on déclenchait la flûte, ce qui nous permettait de choisir entre les mondes 5, 6 ou 7. Est-ce que j'aurai le temps de choper une vie? Oh non! Bon, dommage. Mais bon, vous voyez, je suis à 80, donc là je vais redescendre à 79 à cause du time-up. Donc ce qui veut dire que là, en deux salves, j'ai gagné une dizaine de vies, quoi. Bon allez, donc c'est reparti, donc cette fois-ci on fait le niveau sérieusement. Hein. Donc je vous ai bien montré le système, hein. C'est parti. Donc on va quand même faire pareil, on va choper le Tanuki, de toute façon c'est obligatoire de l'avoir, hein, vous allez comprendre. Allez, c'est parti. Donc là, je reviens ici. Donc là, de toute façon, vous avez compris ce que je fais. Hein. Je fais la procédure pour choper le Tanuki. Le seul problème, en fait, c'est quand on arrive là, on est obligé d'attendre comme un con. Enfin, heureusement, c'est pas trop long. Voilà, t'as même pas eu le temps de toucher le sol cette fois-ci.
Donc maintenant, explication. Donc là, je redescends ici. Alors voilà, ce qu'il faut faire ici, c'est prendre son élan, s'envoler, et il y a un tuyau au plafond, faut le trouver. Voilà, il est là. Et c'est pas super évident. Voilà, je pense qu'ici, ce sera bon. Nickel. Voilà, et on accède directement au boss de fin de la forteresse. Donc, je vais essayer de pas perdre mon tanuki. D'accord. Fail, fail, fail. Là, je crois que vous êtes en train de bien rigoler, là. Et je dis, je vais attendre, se faire attention de ne pas perdre le tanuki et BOUM. Bon, allez, on va faire le jeu du memory en vitesse. Donc, il me semble avoir repéré les deux trucs pour avoir une vie. Voilà, nickel. Là, l'étoile, elle était là. Ratée. Ou elle était à côté. Ouais. Le champignon, je crois qu'il était ici. Pas du tout. Oui, donc là, ici, cette espèce de petite plante carnivore, c'est un niveau. Hein. Mais je vais pas y aller. Je pense que ça ne sert à rien, mais bon. On sait jamais, hein. Là, par contre, je me rends compte que je... Merde, j'ai appuyé trop vite. Quel imbécile. Je vais essayer de choper la fleur, du coup. Putain, même ça, je sais pas le faire, quoi. Bon, allez, niveau 6, ça. Oh, putain. Ah là, je crois... Attendez. Ah oui, je me rappelle aussi ce niveau-là. C'est le même genre que le premier niveau. Ah. Et non, le petit bug pour choper une vie avec l'escalier, il n'est pas faisable dans ce jeu-là. Enfin, du moins, pas que je sache. De toute façon, en même temps, même dans le premier Super Mario Bros, j'ai jamais su le faire. Donc, je suis franchement pas doué. Alors donc, je disais, oui, un niveau dans le même style que le premier niveau du monde, sauf que c'est avec ces espèces de plateformes à la con, là. Alors attention à la plante carnivore, je serais bien capable de me faire toucher. Ah, nickel. Ah. Ouais, bien joué. Évidemment, je suis vraiment un peu con quand je m'y mets. Parce qu'en fait, si Mario se retrouve coincé entre la plateforme... Enfin, cette espèce de plateforme virtuelle et un élément du décor, la plateforme s'arrête tout de suite. Donc là, en fait, dès que j'aurai passé ces trucs-là... Là, on va monter tranquillement. Non, mais on s'en fout. La plateforme part toi. Oh, quoi que. Alors ici, bien faire attention de pas changer de côté trop tôt, hein, parce que sinon... Sinon, il y a des... Merde. Alors ici, il y a un petit truc à faire. Hop. Parce que je rappelle que comme c'est la même chose que le premier niveau du monde, bah, les deux côtés communiquent. Non, non, non. Oh, merde. C'est pas grave, là je vais l'avoir. Ok. C'est bon, je suis retombé sur mes pattes, on va dire. Ouais, par contre, excusez-moi, mais j'ai dû louper un truc là. Ah oui, je sais, bah oui. Je suis vraiment un peu con quand je m'y mets. Tout simplement. Et merde, j'aurais dû sauter plus tôt. D'accord, je repasse le deuxième, mais tant pis. Ah! Et merde! Oh putain, je dois tout me retaper! Mais non! Ouh là là là! Et merde, merde, merde! Putain, non! Oh, mais fais chier là! Tuez-moi tout de suite là! Non, mais si c'est ça, je sens que je vais pas me faire chier aussi! Putain, mais allez! Putain, merde quoi. Allez, on me suicide. Ah, ça fait un peu chier puisqu'il m'en reste plus qu'une, mais bon. D'ailleurs, évidemment, j'ai pas testé, mais... Vous voyez que ça marche pas, hein. Ils ont pensé à ça. Hein. Eh oui, petit tricheur, non mais oh. Alors je vais quand même essayer de pas me faire toucher stupidement parce que je serais bien capable. Ouais, je prends les 1000 points et alors. Alors surtout ici, il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a des pics.
un peu partout. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? D'accord, juste une pièce. Là, quand on voit le bloc tout seul, on se dit ouais, ils vont nous filer un truc. Bah, ma cache. Et voilà le tuyau de sortie. Bon, par contre, ce qui m'ennuie léger, c'est qu'on arrive à la demi-heure. J'allais regarder où ça mène ça. Putain, il reste encore tout ça à faire. Bon, bah, je pense que ce monde-là, on va le couper en deux. Hein. Je prévoyais pas de le faire, mais bon, c'est pas grave. Donc, enfin, bref, donc on va s'arrêter ici. Donc, je vais même en profiter. Le petit save state pour démarrer la partie suivante, je vais le faire tout de suite. Voilà, c'est fait. Enfin bref, donc on se retrouvera dans la prochaine partie pour la suite de ce monde 7. Donc je vous invite à aller voir, enfin à aller voter pour le prochain jeu en let's play sur le sondage Pixul. Donc je vous laisse ici, je vous dis ciao et à la prochaine. Remember when you tried to kill me twice? Oh, how we laughed and laughed, except I wasn't laughing. After the circumstances are extraordinarily nice. What a freedom you live. Now you are becoming wild.